Eh bien bonjour à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mountain Blade Warband. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. On se retrouve après avoir fondé notre royaume la dernière fois, dans le dernier épisode, vous en souvenez. D'ailleurs merci à tous de l'avoir autant liké, franchement ça m'a fait super plaisir et ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de continuer et aujourd'hui bah qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ce que je n'ai pas fait la dernière fois, c'est-à-dire... manage... Non, c'est pas ça. C'est où? Attendez, c'est quand on va dans un truc, je crois. Faut aller ici. Je sais plus où, où est-ce que c'était. Attendez. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ah bah merde ça alors. Take an action. Promote. Voilà, c'est là. C'est ici, c'est ici. Alors, du coup, les premiers, nous allons les appeler milices. Libère tienne, voilà. Je le fais avec vous comme ça, vous voyez bien la chose. Save, voilà, c'est bon, il me la save là. Il me le save ou bien? Voilà, c'est bon. Et en deuxième, on a donc de l'infanterie, voilà, un peu plus évolué. Alors je reprends le schéma de The Nope qui me l'a fait dans les commentaires et je t'en remercie vraiment super super schéma, c'est très clair, c'est super cool. Voilà, save. Ensuite, nous prendrons donc, nous aurons d'un côté nos piquiers libèrent. Tiens, quoique non, je vais mettre. Je vais pas mettre au pluriel. Pas mal. Et lui, je lui avais rien mis. Hein. Je lui avais rien mis. Ah, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Je lui ai mis quoi? Non, je lui ai rien mis à lui, je lui ai rien mis. Et faudrait que je lui mette, on va dire pour le coup, quelque chose du genre. Prisonnier management, non. Athletics, non. Arme à deux mains, puisque ce sera forcément. Ce sera forcément. Pole arm, c'est quoi ça? Spear Lance, ouais, on va mettre. Ce sera forcément un mec avec une lance, donc. De toute façon, je pense que je vais pouvoir mettre les points partout. Hein. Voilà, je peux pas en mettre plus de toute façon. Et ici, on va pouvoir mettre Power Strike, peut-être. C'est pas mal ça. C'est pas mal, Power Strike. Ça me dit quoi? Increase melee damage. Non, ça c'est... Ça c'est chiant, ça par contre. Ça va être très chiant à faire. Power Strike, bah, écoutez, on va mettre un maximum. Power Draw, je sais pas. Pollution Increase, ça on va mettre. Shield, on va mettre. Athletic, on va mettre. Riding, on va mettre. Écoutez, Wound Treatment, ça on va mettre aussi. Trainer, on va mettre aussi. Et là, donc voilà, je vais refaire pareil. Alors, du coup, désolé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant. Mais bon, écoutez, il le faut. Ça, on s'en fout en fait. Usage of bow, on s'en fout aussi. Donc eux, on est en infanterie. Hein.
Et merde, c'est pas infanterie libertienne. C'est piqué. Voilà, je vais faire ça avec vous pour jamais si vous voyez que je fais des trucs pas bien. Ah, c'est pas piqué libertienne, c'est piqué libertien, c'est mieux. Ah, libertien. Je sais pas comment le dire, pour le coup. Donc là, on va attaquer aussi nos archers. Alors non, là, pour le coup, ce sera arquebusier libertin. Libertin. Excusez-moi. Mon dieu. Mince. Arquebusier libertin. Eh ben. Faut que j'arrête ça tout de suite, moi. Ça, on s'en fout. Ça, il en faut quand même. Orsachuri, Lucky Trainer, il en faut aussi. One Treatment, c'était où? C'était là. Il en faut aussi. First Aid, c'est bon. Perso 1, on s'en fout. Ensuite. Personal Skill. Est-ce qu'on se fait ça? Throwing damage. Alors ça, je sais pas, vous voyez, je comprends toujours pas ce qu'il faut pour les armes à feu ici, là. Écoutez, on va mettre là, et hop, et shield, athlétique, voilà, pas mal. Ensuite, donc, on va mettre crossbow, bien sûr, un max. Voilà, maximum qu'on peut. Ensuite, ça, on s'en fout. Ça, on va le mettre à fond aussi. Pole arms, on s'en fout. Ça, on va le mettre pas mal élevé aussi. Bah écoutez, il veut pas me mettre plus. Bon, bah, on va mettre tout ce qu'on peut. Voilà. Et toi, tu t'appelleras donc. Attendez, on fait bien les fusillés là. Que je ne me trompe pas, ouais c'est ça. Donc, non pas fusillé, arquebusier j'ai dit. Libertien, ne pas confondre avec libertin. Ça ne veut pas dire la même chose. Ensuite ici on va avoir les fusillés libertien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, même un en plus, Weapon Master, allez, Shield, allez, Athletic, allez, One Treatment, allez, Tactic, Tracking, allez, on va mettre tout ça, ensuite ici, on va mettre quand même pas mal à l'arme comme ça. Ensuite, on va mettre bien sûr au crossbow, firearm, très important. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est ça en fait qu'il faudrait que j'améliore, c'est le Weapon Master à chaque fois. Attendez, on va aller corriger ça après. En fait, non, on va reset. On va reset parce que 3. Hop, là on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre du Weapon Master à fond. Voilà. Ce sera beaucoup plus efficace. Et on pourra beaucoup plus améliorer nos hommes. Ce sera bien mieux. Ensuite, Firearm. Du coup, bah, on va mettre en Firearm. Au moins 200, crossbow, on va mettre au moins 200 aussi. One-handed weapon, on va mettre à 200. On va pouvoir augmenter. Voilà, au max. Et eux, ce sera donc nos fusillés libertiens. Voilà. Alors c'est eux que j'aimerais reset. Nos arquebusiers libertiens. Mince, j'ai mis un S, bien sûr. Je fais des fautes de frappe.
Weapon Master, faut qu'on en mette un max. Voilà, hop. Athletic. Wound Treatment. Très bien. Et eux, on va leur mettre Firearm à fond. Crossbow à fond aussi. Et après, on va leur mettre là-dedans. Voilà. Et donc, on retrouve nos arquebusiers. Libère. Il veut pas me le prendre, ce nom. Hein. Voilà. On est déjà mieux. Et ici, pourquoi c'est une meuf, je ne sais pas. Pourquoi c'est une meuf, je ne sais pas du tout. Pour le coup, c'est pas grave. Je fais juste les attributs, après on fera les habits, hein, ne vous inquiétez pas. Mince. Reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weapon Master à fond. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Firearm au max. Crossbow aussi au maximum. Ensuite, l'arme à une main. C'est nécessaire aussi. Dommage que je puisse pas faire plus hein, quand même. Bon, écoutez, ça ira très bien. Et eux, ce seront donc mes canonniers. Je ne sais pas écrire. Canonnier. Libère. Tiens. Ouais. Bon, écoutez. On va pas... On va pas chipoter. On va pas chipoter parce que déjà, il me fait chier à chaque fois avec ses noms. Donc pour le moment, je vais rien leur mettre. Je vais juste faire l'armée. Je vais juste les nommer et les finir comme ça. Donc, cavalier libertien. Voilà. 1, 2, 3. Avec, bien sûr... voilà, tout ça. Trainer, looting, on s'en fout. Or, ça change, je pense pas que ça servira à grand chose. Ah, pour le coup, j'ai encore fait une connerie. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop, hop. Voilà, pas oublier que ça, faut le mettre au max quand même. Or, ça, chérie, on s'en fout. Putain, on peut pas enlever à chaque fois, c'est trop chiant. Ah bah ouais, il m'a dit nope. Bon bah écoutez. Je vais juste les renommer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du peu que j'ai fait pour le moment. Franchement, c'est super bon à faire, c'est super chiant. Je pensais pas que ce serait aussi chiant. Je ne pensais pas que ce serait aussi chiant à faire. Faudra que je fasse ça, un de ces quatre. Mais putain, vu le temps. Vu le temps que je mets à le faire là. C'est horrible, atroce, je ne sais pas combien de temps on en est. On a déjà bientôt fini l'épisode. On va essayer quand même de se battre un petit peu. On va essayer de se battre parce que nous on est des gens comme ça. On ne fait pas, voilà. On va dire que c'était la mise en place de notre royaume cet épisode. C'est quelque chose, c'est une étape par laquelle il faut passer. Mais il faut quand même pas qu'on oublie qu'on a des hommes à entraîner. Alors voilà.
J'ai pas fait une connerie là. En fait, je sais ce qu'on va faire. On va les placer ici. Non, archer cette position là. Et là, on va leur tirer dessus. Comme cela. Voilà. Bon, pour le moment, tout va bien. Je pense pas qu'on ait trop de problèmes, en l'occurrence, mais... on ne sait jamais. J'ai encore des mercenaires, ils sont pas tous morts. Bon, écoutez, ça se passe très bien. On va pas s'en plaindre. C'est vraiment trop classe, quoi. C'est Eline qui tire, là, j'adore trop. C'est vraiment mon gros kiff de ce mode. Vraiment un truc qui me plaît, quoi. Regardez-moi ça, là. Ces massacres qu'on fait avec notre ligne de feu. Alors moi, je suis toujours pas tiré. Et en plus, en vue première personne, c'est encore plus classe. T'es le chef. Allez, chargez, les gars. Boum, je l'ai eu. Donc, je suis encore un peu tiré, quand même. J'ai pas tout perdu. Enfin, j'ai pas tout perdu. Je sais pas si c'est que j'ai tout perdu ou si c'est leur skill que je n'ai jamais eu. Vous voyez, une capacité que je n'ai jamais eu. Ah là là. Bon. Alors là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Et on va continuer à évoluer. De toute façon, on a plein de choses à faire. Je pense que prochaine étape, ce sera de faire ce pays-là de notre victime. Voilà. Ce petit coin-là. Ce sera la prochaine étape. Alors par contre, ce qu'il faudrait aussi, c'est que je me recrute pas mal de compagnons. Je sais pas si je vais là. Allez, j'accepte. Est-ce que je peux me prendre des compagnons? Hired Blade, bonjour. Allez, venez. Ça fait toujours des sous. De toute façon, là, je suis pas en guerre contre la France, donc ça, pour le coup, c'est pas un problème. Il y a juste le roi de France qui ne m'aime pas. East Congo assiégeed. C'est là. Ah oui, il y a zéro garnison en plus. C'est pas grave. Tu mourras. Faudrait que je mette un peu de garnison là-dedans. On va pas faire ça tout de suite, hein, pour le coup, parce que j'ai pas beaucoup d'hommes. Mais dès qu'on aura nos armées et tout ça, je m'en occuperai, bien entendu. Alors, ils arrivent par là-bas. Je les vois déjà. Voilà. Voilà. La cavalerie... Vous allez rester juste derrière et on vous fera charger en temps voulu. Et... Fire orders. Voilà. Vous ferez feu à mon commandement. Parce que c'est stylé. Attends que tout le monde soit en place. Allez, allez. En place, en place. Tout le monde en place. Ils vont tâter de notre canon. Dommage, là, faudrait que je resserre les rangs un peu. Je vais essayer de faire une salle, mais d'abord j'aimerais bien resserrer les rangs. Movement orders. Non, c'est pas ça. Formation orders. 3. Voilà, resserrez-vous bien. Vous pouvez quand même tirer normalement. Voilà. F2. Fire orders. Fire! Et boum! Ça c'est beau ça! Ça c'est beau ça! Et nous on va pouvoir tirer aussi. Avec un rechargé. Allez! Voilà! Ça c'est beau! Vous chargez aussi. Et les archers, suivez-moi.
On va les foutre là. Et je pense que je vais leur faire faire feu à volonté. Voilà, comme ça ce sera mieux. C'était pas lui que je visais, c'est pas grave. Allez les gars, là, on est fini, c'est bon, il n'y a plus rien à faire là. C'est tellement beau, putain. Oh, comment c'est magnifique. Il en reste un en face. Et bon! Victoire! GG les gars, GG! Bon bah voilà! Comment se faire des petits points gratos? Pas comme ça. Il faudra qu'on aille rechercher de la bouffe dans pas très très longtemps. Bon bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère en tout cas que vous avez bien pu voir un petit peu cette armée que nous allons nous faire. Enfin un petit peu, que vous avez vu à quoi ça allait ressembler. N'hésitez pas à me dire un petit peu les caractéristiques toujours que vous aimeriez voir dans les troupes, mais des caractéristiques vraiment plus précises au niveau des armes, etc. N'hésitez pas à m'en faire part, hein, si jamais. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui sont très intéressés par ces petits moments, donc c'est pour ça, je vais peut-être faire une ou deux coupures dans l'intro, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment longue, de cette vidéo, là vous faites pas grand chose, mais bon, c'est pas un mal pour un bien, mais c'est du temps pour, il faut du temps quand on met en place un royaume de toute façon, et c'est ce temps-là que nous avons pris aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'oubliez toujours pas le pouce bleu parce que ça m'encourage à continuer. C'est pour ça que je vous fais des épisodes de plus en plus souvent aussi. C'est pour ça. Et sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et moi, je vous dis à la prochaine.